écologiste, antispéciste, anticapitaliste, Émeric Caron explique pourquoi il a été écarté de la télévision. Émeric Caron a expliqué les raisons de son absence à la télévision depuis On n'est pas couché sur le plateau de Quotidien, sur TMC. Émeric Caron est de retour. L'ancien chroniqueur dont n'est pas couché sur France 2, afin de présenter son parti du Rassemblement des écologistes pour le vivant. Le programme du REP ? De l'écologie essentielle qui prône de ne pas détruire une vie animale végétale sans nécessité absolue, entre autres, la suppression de la chasse, la corrida, les oeufs et les expérimentations scientifiques sur les animaux. Un engagement, qui, il en est conscient, peut être incompatible avec ses apparitions à la télévision. Selon Émeric Caron, 46 ans, c'est justement en raison de ses prises de position affichées, qu'il aurait été écarté du petit écran. Je ne rentrerai plus dans les cases des médias, a-t-il déclaré mercredi 21 février sur le plateau de Quotidien sur TMC. Quand un journaliste affirme qu'il est écologiste, antispéciste, qu'il se bat pour les droits des animaux, dénonce une société violemment capitaliste, tout à coup, on a des employeurs que ça gêne énormément, a-t-il ajouté. Peut-être que, en face, on se retrouve face à des employeurs, des gens qui dirigent les radios et les TV qui ont peur tout à coup d'avoir des journalistes qui sont sortis de ce qu'on croit être une forme de neutralité. Et conclut en affirmant qu'on ne veut pas des journalistes, comme ça dans le paysage aujourd'hui. Mais Émeric Caron n'a aucun regret, et qualifie ses années au NPC de fantastiques.